à Notre-Dame d'Alta Grâce là. Moi, je voulais, au nom de toute paroisse là, remercier nous. Parce que malgré que l'invitation était une petite grâce tardive, ça n'a pas empêché que nous te recevions et que nous là aujourd'hui. Merci en pile. Et nous connaissons déjà que nous ces yeux, population, nous ces oreilles, peuple là tout. Faut entendre, faut que nous parler pour qu'ils soient capables de connaître qui ça a fait dans la société noire. Non pas moi, c'est Charles Omer Gélin. C'est moi-même qui a bien pour que moi modérer partie conférence ça en deux concerts avec trois gros poteries garçons saillot que nous gagnons sous table. D'abord, nous gagnons docteur Gérard Joseph, qui est coordonnateur du comité pastoral l'église. Le comité pastoral, c'est le comité qui travaille de concert avec clergé paroissial dans le cadre de toutes décisions qui gagnent pour prendre et toute activité qui gagne pour organiser dans la paroisse. Dans le temps, nous gagnons Père Francky Désir, qui est non seulement curé paroisse Notre-Dame d'Altagrâce et vicaire général archidiocèse de Port-au-Prince. Là. Bon côté moi, j'ai gagné Père Jean-Anaël Bonhomme, c'est vicaire dans la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce et c'est directeur général radio télé Altagrâce, qui c'est une jeune radio qui a œuvré sur réseau social, et particulièrement sur YouTube, avec sur Facebook, que tout le monde est capable de vivre la messe, vivre toute l'activité spirituelle, lui sur lui-même. Dans cette conférence, nous prenons gagner possibilité pour que nous parlions de neuvaine à Notre-Dame d'Altagrâce, qui c'est un moment de pèlerinage côté Delma, commune Delma, pour accueillir en pile pèlerin dans le cadre festivité ça qui sont festivités spirituelles, côté tout le monde prenons gagner pour que vous courbez devant bon Dieu dans la prière. Nous avons gagné tout pour parler de ensemble d'activités que vous pensez organiser, qui pral organiser pendant 10 jours ça y est. 10 jours, c'est 9 jours neuvaine et jour fête solennelle à Notre-Dame d'Altagrâce là. Et notre troisième partie a, nous pensons que la plus ou moins diverse, côté que vous-même, vous avez possibilité pour ta poser question pour permettre que vous éclairez l'antenne au plus sur ce qui se dit yo, et ce que vous-même vous avez connu en plus. Je vais quitter nous ensemble avec curé paroisse noire. Merci, merci Julien. Et nous saluer tous les journalistes qui là, nous contents et accueillir nous. Nous disons merci pour présence nous. Nous disons merci surtout pour le travail que nous avons fait et dans le pays, dans un contexte qui vraiment dit difficile. Mais nous accepter et risquer la vie nous pour nous chercher information pour que nous soyons capables d'informer le peuple bon Dieu. Donc nous disons merci pour ça nous y est pour bon Dieu, ça nous y est pour l'église là et ça nous y est pour le pays. Merci pour le travail que nous avons fait. Nous demandons pour bon Dieu continuer bénir nous, pour bon Dieu continuer veiller sur nous. Nous profitons de l'occasion ça pour nous souhaiter nous une bonne et heureuse année 2024. Chaque année, dans l'occasion de Vène Altagrâce, nous recevons un pile membre de la presse, un pile journaliste qui viennent chercher information sur le déroulement de neuvaine et fête Altagrâce. Année ça encore, c'est avec un pile cœur content. Moi-même, Père Adaïel, Docteur Gérard et tout membre équipe communication paroisse, c'est avec un pile cœur content, nous accueillons ici là, dans l'église Altagrâce qui dans Delma, pour nous parler nous de neuvaine à fête Altagrâce, pour nous parler nous de toute activité qui est liée à neuvaine et fête Notre-Dame d'Altagrâce. Neuvaine Altagrâce, c'est un gros événement la foi. C'est un gros événement qui rassemblait chaque jour des milliers de chrétiens qui viennent chercher la grâce, mon Dieu, par l'entremise de mon mari. C'est un gros événement spirituel qui fête dans date 12 janvier
pour arriver 20 janvier. Ça, c'est 9 ans. C'est 9 jours consécutifs. 9 jours de prière intense. 9 jours de méditation, d'enseignement. 9 jours d'action de grâce. 9 jours de louange. 9 jours côté, nous demander, bon Dieu, la grâce nous besoin. Grâce nous besoin pour nous. Grâce nous besoin pour famille nous. Et grâce nous besoin pour pays nous. 9 jours côté, nous demander, bon Dieu, aidez-nous. Aidez peuple haïtien pour nous capables de sortir dans ça que nous y est. Aidez-nous pour nous capables de vivre bien. Aidez-nous pour nous vivre dans le remède. Aidez-nous pour nous capables de reconstruire un autre pays, un autre Haïti. Un pays côté qui gagne remède, un pays côté qui gagne justice, un pays côté qui gagne sécurité et un pays qui apprend chemin, progrès, chemin, développement. Donc, le fait qui c'est autant de prière, la permettre nous préparer fête Notre-Dame d'Altagrâce qui est pour célébrer le 21 janvier. Donc, le fait l'a commencé 12 janvier, l'a fini 20 janvier. Et le grand jour, le jour J, le jour solennel, le 21 janvier. Donc, quittez-nous avec Père Anaël, qui pral parler nous de l'activité que nous avons gagné pendant 9 ans, comment 9 ans lui-même l'a déroulé. Nous saluons tout journaliste qui est là. Et pour le événement, j'ai procuré ce deal. Et puisque c'est en fait qui chargé derrière des milliers de pèlerins, et bien nous avons une nécessité pour gagner plusieurs messes par jour. Donc c'est ça que fait depuis quelques temps, gagner 4 messes par jour, chaque jour. Donc nous gagnons une messe à 6h, nous gagnons une messe à 8h30, nous gagnons une messe à midi, et nous gagnons une messe à 4h dans l'après-midi. Mais avant chaque messe, on a gagné un temps de prière, un temps de recueillement. Ça veut dire, avant messe 6h, on a gagné un temps de prière, un temps pour fidèle, recueillir, et à partir de 5h30, donc justement avant messe 6h. Et avant messe 8h30, on a gagné un temps de prière, un temps de recueillement, et commencer à 8h, donc 30 minutes avant messe à commencer. Avant messe midi, donc on a un temps de prière qui a commencé à 11h, et dans l'après-midi, avant messe 4h, on a un temps de prière qui a commencé à 2h. Et même Jean-Pierre Tawasfel, donc chaque année, il y a un thème qui aide le peuple bon Dieu à méditer beaucoup plus, ou bien approfondir. Et donc, on est ça, thème de 20 que nous gagnons, c'est avec Maman Marie, m'a déclaré remède bon Dieu à durer pour tout temps. Donc, avec Maman Marie, m'a déclaré remède bon Dieu à durer pour tout temps. Donc, son thème que nous prenons dans Magnificat là, et qui est biblique, que nous prenons généralement dans Luc, chapitre 1er, verset 47 à 55, donc Magnificat là, nous prenons une partie là-dedans qui a rapport avec l'amour bon Dieu, et dans chaque jour, le 20 ans, et gagner des sous-thèmes. Et sous-thèmes, ça y est, pour aider, et peut qui gagner pour capable de célébrer la messe pour journée, capable de méditer et orienter fidèle dans la méditation. Et ça fait gagner plusieurs sous-thèmes pendant 9 jours. Et tout sous-thème, ça y est, a donné l'amour bon Dieu. Nous, l'amour bon Dieu, répété pendant plusieurs fois. Et Jean-Curie a dit tout à l'heure, c'est pour que nous sommes capables de prendre plus conscience que bon Dieu remet nous.
nous-mêmes, peuple haïtien, donc bon Dieu, il y a un amour spécial pour nous. Et en pile fois, c'est nous-mêmes qui manquons de remettre l'une l'autre, qui fait que le pays a souffert. Mais si nous conscients que bon Dieu remet nous, et avec conscience ça, nous yon essayer de remettre l'autre, mais nous yon chercher de remettre l'autre, donc nous certains que Haïti a sorti côté lié. Et ça fait, donc, dans tout ce thème, nous gagnons l'amour bon Dieu qui répétait pendant plusieurs fois. Donc, vous nous dites, en gros, moment 9 ans, c'est une occasion pour que nous soyons capables de déclarer remettre bon Dieu pour nous-mêmes, remettre bon Dieu pour tout le monde, pour l'humanité, mais de façon spéciale, l'amour bon Dieu pour le peuple haïtien. Donc, en gros, c'est toute activité que nous avons gagné, et pendant le moment 9 ans, à la fête, Notre-Dame. Merci. Avant que nous passions le micro à Dr. Gérard, et m'a rappelé nous, pendant 9 ans, nous avons fait Notre-Dame d'Altagrâce, Jean-Père Anaël, lui dit nous ça dans le thème, nous avons mis l'accent sur l'amour de Dieu. Remets bon Dieu. Remets bon Dieu, hein? L'éternel. Les papes jamais passé, l'a duré pour tout temps. Malgré tout ça, nous, qui a passé dans le pays, remet bon Dieu, a duré pour tout temps pour Haïti. Remet bon Dieu, papes jamais fini pour Haïti. Et puisque remet bon Dieu, papes jamais fini, bon Dieu, papes la guipe haïtien. Bon Dieu, papes abandonné nous. Et bon Dieu, à chaque fois, à chaque moment, à chaque occasion, lui montre nous, lui révèle nous, remet, lui gagne pour nous. Et puisque bon Dieu remet nous, puisque remet bon Dieu, pas jamais fini, l'a duré pour tout temps, péché yo, moun ka fait ça qui mal yo, yo capable joindre pardon, bon Dieu, dans la mesure où ils ont accepté converti. Dans la mesure où ils ont accepté changer cœur, dans la mesure où ils ont accepté changer vie. Donc, tant de vêtements sont temps de prière, mais sont temps pour nous déclarer aimer bon Dieu. Son temps pour nous accueillir aimer bon Dieu. Son temps pour nous célébrer aimer bon Dieu. Son temps pour nous quitter aimer bon Dieu, transformer la vie, nous. C'est un temps pour nous prendre conscience que nous-mêmes, petit bon Dieu, nous avons pour devoir, nous avons pour mission, nous avons pour responsabilité pour nous porter remè bon Dieu côté que nous y est, pour nous témoigner de remè bon Dieu dans les gens que nous avons vivre dans remè l'un avec l'autre. Si nous dans situation ça dans le pays, hein, c'est pas parce que bon Dieu pas remè nous, non, mais c'est parce que nous-mêmes nous pas accueillir remè bon Dieu. Hein. C'est parce que nous-mêmes, nous ne pas vivre dans Rémen. C'est parce que nous ne pas quitter Rémen, bon Dieu, transformer la vie, nous. Donc, pendant tant de vêtements, pendant fête Altagrâce, nous avons accueilli Rémen, bon Dieu, nous avons célébré Rémen, bon Dieu, et nous avons quitté Rémen, bon Dieu, transformer, que nous, transformer la vie, nous. Rémen, bon Dieu, pour nous, les papes jamais finis, Rémen, bon Dieu, pour Haïti, la durée. Pour tout temps. Merci Père Franqué. Moi-même, je vais profiter de saluer tous les journalistes qui sont présents avec nous. Pour oui, je dis, je salue tous les journalistes qui sont ensemble avec nous matin. Hein. Qui a venu participer dans la conférence de presse. Ça. Qui a participé avec nous dans la conférence de presse là pour connaître et apprendre tout ce qui a passé pendant la période 12-21 janvier 2024. Là. Père Francky t'a expliqué nous comment, pour qui ça nous vient, qui ça nous vient. Père Anna, elle t'a expliqué le déroulement de l'événement qui est la fête, qui disposition qui prend. Mais moi-même, en tant que coordonnateur conseil pastoral, le conseil pastoral là, c'est un conseil qui est là, qui pour aider clergé, qui est en contact avec tout groupe dans la paroisse là, aider clergé pour aider
comprend certaines dispositions. C'est ainsi que, depuis peut-être le mois de novembre, il y a des rencontres de planification qui étaient faites avec groupio, responsable groupio et chorale, au moins une vingtaine qui existaient dans la paroisse là. Tout groupe et chorale qui est dans la paroisse là, yo là, c'est justement pour aider fidèles chrétiens, pèlerins, bien participer pleinement dans le déroulement neuvaine et fête Notre-Dame d'Altagrâce là. Nous passons en revue tout groupe, c'est-à-dire groupe accueil, ordre discipline, groupe nettoyage, groupe urgence santé, kiwo, kiwo, mej, etc. Tout groupe ça. Nous autres, dans le conseil là, nous faisons une dernière rencontre samedi avec le conseil là pour nous ramasser tout ça que, qui était dit avec le groupe et chorale depuis le mois de novembre jusqu'à samedi qui était 6 janvier. Nous avons une rencontre avec eux, nous avons parlé de tout le bagage. C'est ainsi que nous avons sorti un rapport que nous avons soumis à Claire Géa pour nous passer en revue tout ça qui était discuté, tout ça qui était dit pour permettre qu'effectivement tout le bagage passe correctement. Nous passons en revue urgence santé. Urgence santé, par exemple, nous dit tout ça qu'a fait, des médicaments de premier soin, personnel que nous gagnons, nous faisons recyclage pour eux, etc. Nous écrit la Croix-Rouge, nous écrit Mairie de Delma, nous écrit la police, avec le Centre Ambulancier National, pour rendre disponible une ambulance qui est en permanence pour camper là, pour que l'équipe là, quand il y a une urgence qui t'a présenté, pour qu'elle permette d'évacuer rapidement vers le centre hospital l'équipe proche, c'est-à-dire l'hôpital La Paix. Nous parlons de toutes les dispositions qui vous prennent, comment pour gérer, c'est-à-dire, et même si vous avez une série de côté à camper en point fixe, pour ne pas marcher à droite à gauche dans l'église là. Ça, c'est pour, par exemple, l'urgence santé. Pour exemple, sécurité, par exemple, la police nationale d'Haïti, la police nationale t'a écrit non seulement nous demander pour t'avoir un point fixe qui est en face de l'église là, mais on patrouille qui a sillonné régulièrement, que ce soit aux abords de l'église, mais en dans la cour, pour non seulement protéger Fidelio, mais pour dissuader en quelque sorte, et tout le monde qui a une mauvaise intention dans la tête, pour la présence police nationale là avec nous, donc il a calmé ça avec nous. Nous avons avec nous Alta Force, qui ont l'autre groupe pour sécurité dans l'église là. Nous parlons tout de l'autre disposition qu'a prend, par exemple, on espace qui est en face de l'église là, que nous pas l'utiliser tout pour permettre que les gens qui sont dans la rue, bah, on côté pour chita, pour pas exposer dans la rue à circulation véhicule et non seulement ça, mais faciliter circulation machine là. Et vous chita en côté, ça facilite la circulation en fait. Nous parlons également pour d'autres points qui étaient très importants, par exemple, nous parlons pour, par exemple, pour l'école là qui n'est pas fonctionné, mais nous demandons pour que la salle de classe soit fermée, tout ça sur question de sécurité. Nous demandons, par exemple, Alta Force, priorité dans une série de points bien précis, non seulement pour protection personnelle là, mais également, surtout devant les pèlerins, les visiteurs qui viennent, ils sont agressés et verbalement, physiquement, par mendier contre devant l'église là. Et enfin, pour faire du nettoyage, nous avons une équipe de nettoyage qui est là, qui prend toute disposition pour permettre que les gens viennent, ils ont un endroit qui est propre, qui est bien correct, qui est bien bandé, qui peut recevoir correctement. Et nous demandons autour, ils ont même qui viennent pour qu'imbé espace là bien propre, parce que les aller dans l'autre monde qui vient, pour l'autre monde qui vient, ils ont un endroit qui est correct, qui est bien propre. Voilà, en gros, je n'ai pas besoin de détailler tout le bagage. Donc, si vous avez des questions, nous en mesure pour nous répondre, ça nous va avec tout groupe, une vingtaine qui n'a pas voix cela, qui a aidé Fidelio jouit pleinement de neuvaine ans et fête Notre-Dame d'Altagrâce. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur Gérard, et pour tout détail ça y est, au bail sur mesure qui prend pour que nous soyons capables de faciliter le peuple bon Dieu et pour nous capables d'accueillir le peuple bon Dieu et faciliter yo. Et faciliter yo travail la prière dans une ambiance qui digne, dans une ambiance, dans un endroit qui accueillant, dans un endroit qui propre, et faciliter yo pour yo capable circuler sans problème, parce que a bien des, non seulement a bien
policiers cap là, bien la police cap là, mais a bien des agents de sécurité de la paroisse qui cap là pour que yo assurer sécurité et peuple bon Dieu cap fini la prière pendant le vénan. Donc temps le vénan et c'est un temps la grâce, nous inviter tout peuple bon Dieu pour participer dans le vénan sans peur, sans crainte et avec piété, avec confiance pour agir la foi yo dans bon Dieu qui remet yo et qui est capable de faire tout bagaille pour yo. Merci en pile pour écoute nous. Voilà, merci. Pendant que nous parlons qui sont, m'a rappelé nous que le 20 la fête sorti 12 pour arriver 20 janvier et jour fête là 21 janvier, c'est juste ça même qui s'est fête solennelle Notre-Dame d'Altagrâce là. Donc il y a jour en plus de messe, donc pour nous apprendre comme ça, 4 messes par jour, ça va nous 36 messes officielles et yon messe pour VEA qui va nous faire 37, ça nous pas oublier. Et 3 messes qui viennent pour jour fête là, ça qui vient nous 40 messes au total. Thème de 20 années pour Notre-Dame d'Altagrâce, c'est avec Maman Marie, nous avons déclaré l'amour bon Dieu, a dire pour tout le temps. Donc possession, hein, pour 21, je pense que ça va le faire pas de question. Donc pour être capable de clairer l'antenne non plus. Comité urgence censé déjà sur deux pieds lits, Croix Rouge, centre ambulancier pour toute urgence qui t'a gagné pendant un moment ça. PNH là, il est déjà alerté déjà pour capable apporter touche pas lui pour capable faire journée ça belle et Alta Force comité l'ordre tout yo déjà prêt pour que yo vienne vivre 10 jours de grâce, 10 jours de bénédiction ça yo ensemble avec paroisse. C'est le moment pour que nous capable prendre question, on a commencé ensemble avec les amis nous d'abord pour première question. Capable faut avancer pour éviter voilà. Bonjour. Félicitations à nous tous les trois. Donc c'est avec plaisir pour moi avec nous. Moi c'est Joël Agoudou, je travaille pour Radio Télévision Scoop FM. Généralement chaque année, Altagrâce toujours organise grande activité spirituelle. Ça nous toujours mettez le pays d'Haïti au premier plan. Il y a une question à deux volets. Premier volet, c'est que pendant chaque année, ça nous réalise nos événements. Et qui sait que au moins nous pensons que l'activité spirituelle ça apporte pour le pays. Hein? Deuxièmement, pour année ça, qui ça que nous pensons en réalité, nous pas conjoindre ou bien nous pensons que activité ça capoter pour nation. Merci. Merci pour question. Hein. Tout prière nous yo, c'est occasion pour nous. Parler avec bon Dieu. Pour nous communiquer avec bon Dieu. Pour nous offrir bon Dieu la vie nous, problème nous, douleur nous, souffrance nous. Souffrance frère action nous. Souffrance pays nous. Priez nous yo pas fait pour grand ici. Yo toujours porter fruit. Et bon Dieu dans miséricorde lui à chaque fois lui agit en faveur nous à chaque moment lui donne nous la grâce. Malheureusement en pile fois nous recevons grâce bon Dieu mais nous pas mettre grâce bon Dieu à profit. Nous pas toujours agir d'après volonté, bon Dieu. C'est peut-être ça. Année ça, nos occasions, le 20 ça, n'a pas demandé tout le monde, coûtez voix, bon Dieu. Coûtez voix, bon Dieu. Si nous coûtez voix, bon Dieu, si nous fait ça, bon Dieu, demandez-nous, fait. La vie nous a changé, communauté nous a changé, pays nous. A changé. Après deuxième question, c'est avec mon frère. Bonjour tout le monde, moi c'est Arnold Junior Pierre, moi c'est journaliste qui travaille pour Radio Télégalaxie. Donc conseil de monde la période côté possession en fait alors dernier jour, il y a des messages qui différent avec ça non même n'a prôné à savoir que des monde des vaudouisants etc., des monde qui prêcher des messages pour protestants qui j'en ont même nous compté gérer situation ça. Oui.
En fait, nous respecter croyance chaque monde. Nous respecter opinion chaque monde. Nous respecter choix chaque monde. C'est droit chaque monde pour dire ça le penser. C'est droit chaque monde pour dire ça qui est pas bon. Ça le paraît mais c'est droit chaque monde pour dire ça lui t'a souhaité qu'il fait. Mais c'est devoir tout chaque monde pour respecter l'autre monde. C'est devoir chaque monde pour respecter droit l'autre monde rien pour lui faire activité pâle. Pendant activité neuf ans, pendant activité procession, l'église catholique li a la prière. Li pas empêcher l'autre groupe monde la prière, li pas empêcher l'autre groupe monde faire activité pa yo, mais li pas ta souhaiter non plus pendant activité parlant pour l'autre monde profiter de activité parlant de procession, de neuvaine, de fête là. Li pas ta souhaiter c'est dans moment lui même l'a fait ça, nous pas ta souhaiter ça pour l'autre monde a fait passer message pa yo. Voilà, la prend. Gagne la police qui informée de toute activité l'église là et nous demander la police pour accompagner nous, nous demander à la police pour assumer responsabilité yo pour que toute bagaille capable passer bien dans l'ordre et discipline, dans respect l'une pour l'autre, dans respect principio. Voilà, on prend troisième question pour question barrière là non pas gagné, donc c'est à la police s'il gagne un travail pour le faire pour lui faire les gens qui réalisent même les yeux. Bonjour tout le monde, non pas moi c'est Rico Loctama, moi pour Radio Télé Soleil et la Foi. Et bien content et belle conférence, merci et mes pères, merci docteur. Question pas maintenant, c'est chita sous question accueil. Nous connaissons dans le temps, et paroisse Altagrasse toujours mettait disponible des moyens d'hébergement pour ceux-là qui est à l'étranger. Est-ce que toujours qu'un pour aller ça? Maintenant, si on monte il y a plus d'informations sous le temps de neuvaine, est-ce qu'il y a des moyens de contact ou bien offrir des générosités? Et puis, moi remarqué Anissa, c'est plus Altagrasse d'Elma que nous, ouais, pendant quelques années, tu as une relation entre Altagrasse d'Elma et Source Corosol Kafou. Est-ce que c'est la même activité qu'a réalisé dans deux zones différentes ou bien Kafou a réalisé l'activité PAL de façon particulière? Merci. Moi, je voulais répondre et notamment au dernier volet question. Hein? M'a quitté le soin à Père Anaël ou bien Docteur Gérard pour répondre premier, deuxième volet question 1. Relation qui gagne entre paroisse Altagrasse Delma et paroisse Altagrasse Carrefour. Et relation ça, elle toujours existé. Son relation qui bonne, son relation qui harmonieuse, son relation qui étroite. Nous tous les deux, et tous les paroissiaux, a fait même travail et aider peuple bon Dieu vivre la foi, aider peuple bon Dieu grandir dans la foi, aider peuple bon Dieu prendre chemin sainteté, chemin perfection. Et pour le venant, nous tous les deux, et tous deux paroissiaux des mêmes thèmes, et depuis dans le mois août, ou bien avant le mois août, nous avons entendu sous thème, tous deux paroissiaux ont entendu sous thème de venant. Avec mon mari, m'a déclaré remet bon Dieu. Non seulement nous avons le même thème, mais nous avons le même logo. Nous avons le même logo. Et puis, chantème, neuvaine qui fait, cap chanter ici dans la paroisse Altagrasse Delma, il est capable de chanter tout dans la paroisse Altagrasse sous Corosol. Merci. Et je voulais répondre à dernier volet question là. Merci. Alors, pour question d'hébergement, nous connaissons que vraiment, il y a un peu de pèlerin d'ici et d'ailleurs.
donc qui dans pays hein, mais qui à l'étranger, qui compte pas seulement voulait vivre moment de veine ça ou moment la prière ça à distance, qui compte voulait en pile fois vivre de façon présentielle. Donc non paroisse de la grâce nous gagner auberge Notre-Dame d'Alta Grâce gagner en pile réservation qui est en fait donc même à demander nous est-ce que nous avons une place encore pour nous être capable de l'autre monde. Donc, son façon pour nous être capable d'accueillir si la yon qui t'a aimé et vivre le moment de la prière ça de près, c'est-à-dire en présentiel. Donc, nous gagnons un lieu, donc c'est l'auberge de l'Alta Grâce, et qui est disponible pas seulement pour nous venir, mais pour tout le monde qui t'a aimé passer un petit temps et son lieu de repos, de recueillement. Donc, n'importe quel monde qui t'a aimé passer un petit temps, nous avons déjà toujours venir passer. Mais pour nous venir, donc il est vraiment réservé avec les gens qui soit dans pays étranger ou bien qui en Haïti tout, mais qui n'est pas dans la capitale là, qui t'a remis une passer un petit temps et vivre le moment de la prière ça de plus près, donc pour qu'il soit capable de vivre de très près. On a parlé avec la quatrième question, avec OK Père Frère qui gagne un jour. Oui, un jour que moi a fait, et dans l'année passée, c'est qu'on a pile pèlerin, en pile monde. Qui était qu'on rentrait en pèlerinage. C'est vrai, toujours qu'il y a des gens qui entrent en pèlerinage, mais quand c'était à les diminuer. Il y a des gens qui ont organisé, il y a des chrétiens qui ont organisé des groupes pour entrer en pèlerinage, venir dans la fête Alta Grâce. Malheureusement, à cause de problèmes, insécurité qui gagne dans le pays, il y a plus de monde qui peut rentrer dans le pays. C'est vrai qu'il y a un cap rentré, mais la quantité a diminué considérablement. Et donc, on demande à tout le monde qui a une responsabilité pour assumer la responsabilité, pour mettre sécurité, pour bailler le peuple haïtien sécurité. Nous avons besoin de sécurité pour nous capables de vivre en paix, pour nous capables de vaquer à l'activité, à l'occupation, pour tout le monde capable de marcher sans peur, sans crainte. Nous avons besoin de sécurité pour payer. Capable de prendre chemin, la paix, chemin, progrès. Merci. Voilà. Et autre chose pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y a une radio télé Alta Grâce qui en direct pendant tout moment de 29 jours fait là, qui est pour diffuser toute activité. Radio télé Alta Grâce sur YouTube et sur Facebook, nous sommes capables même retrouver activité sur TikTok pour les gens qui sont à l'étranger, ça qui est en province, capable vivre cérémonie de prière et toute l'autre activité qui a couvert 29 et fait Notre-Dame d'Alta Grâce. Quatrième question. Bonjour tout le monde, non pas M. Rosen Germain, je représente Radio One. Question maintenant, c'est sur question sécurité. Père la saute et fleurelle. D'ailleurs, je connais généralement par rapport avec question bout de terrain, en territoire perdu, qui bon possession a commencé et qui bon l'a fini. Si en cas où tu as gagné un petit déblosage, qui ça nous compte faire? Merci, merci. Et sécurité, hein? Sécurité, hein? C'est affaire chaque monde. Sécurité, hein? C'est affaire chaque monde. Chaque monde doit travailler pour que il soit capable de vivre en sécurité, pour que il soit capable d'aider frères et sœurs qui sont au hôtel vivre en sécurité. Mais sécurité, en général, c'est affaire la police, c'est affaire autorité qui a gouverné le pays ou bien pays. C'est affaire autorité qui a gouverné le pays. C'est peut-être ça nous demander pour autorité pour assumer responsabilité pour faire ça. Yo doit faire ça, yo supposé faire. Il y a un proverbe chinois qui dit si chaque monde qui vit dans la ville là te nettoyé devant caillou, toute ville là ta propre. Donc si chaque moun qui gagne une responsabilité dans le pays, hein, te prend responsabilité, te rempli
te joué rôle, te fait sale, ta supposé fait, sale ta doué fait, payant ta belle, payant ta changé. Donc, le arrivé pour moun qui a responsabilité yo, pour yo assumer responsabilité yo, comme ça doit, dans le pays. Voilà, cinquième question. Avant que nous prenions la cinquième question hein, pour deuxième partie. Ok. Ça ne t'a pas ajouté sur l'intervention de Père Franquilla. C'est pour nous dire que dans les années antérieures, la procession est toujours faite sans problème. Et pour compléter, pour répondre à la première partie de question et journaliste, la procession a commencé devant building. Ona, c'est là qu'elle a commencé. Ensuite, elle a fini devant l'église là. Maintenant, dans les années antérieures, la police nationale t'est montré toujours là avec nous. Mairie d'Elma, toujours là. Nous t'a souhaité Kanessa, c'est même bagaille là. Elle est toujours là et toute bagaille toujours passé très bien. Nous-mêmes, nous n'avons pas eu trop de problèmes. Équipe santé a toujours là. La Croix-Rouge toujours là. Et Cannes toujours là, mairie d'Elma toujours là, mairie Pétionville toujours en ambulance, tout bagage toujours passé très bien. Nous souhaitons qu'on ait ça, même bagage à la fête, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, et tant que j'ai une question, journaliste, Radio Télé, Soleil La Froid, tu es posé tout à l'heure, hein? Donc j'ai envie de te dire, hein? Numéro de contact ensemble avec Paroisse Notre-Dame d'Altagrace, équipe de communication, clergia et autres, c'est 31-04-21-21, 40-57-18-18. 31-04-21-21, 40-57-18-18. On apprend la cinquième question. Bonsoir, une question qui est très simple. Et moi, c'est Jean, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Gagnon pour moi nous pas toucher, c'est moi crois que toujours gon veille de nuit, pas vrai? C'est parfois qui te parler de mairie d'Elma, commissariat d'Elma et prend toute disposition pour sécurité moun yo. Mais est-ce que veille de nuit ça dure toute nuit là et l'elle terminé, est-ce que backup d'Elma ça pas accompagner moun yo rivé entre Kafou au port ou bien même d'Elma 62 quantité de monde qui pour prendre la rue là? Bien, veillée de prière là, il y a fait dans la soirée, dans la nuit du 18 janvier. Donc c'est dans le septième jour, le 20, veillée de prière là, il est toujours fait, il est toujours organisé. Nous informer la mairie, nous informer et la police de activité ça, de veiller de prière, nous bailler tout détail, tout ça qu'a gagné pendant le 20 ans. Et nous bailler un rappel dans le moment veillé de prière là, pour que yo capable gagner une présence permanente dès le début jusqu'à la fin. Et sous parcours, vous demandez est-ce qu'il y a bien backup qui accompagne les gens et sous parcours là pour aller. Nous avons souhaité gagner des policiers qui, dans toute la rue, qui fait va-et-vient pour assurer la sécurité des gens. Merci. Ok, donc, et en plus de ça que Ali même le dit, il y a la cour paroisse dans tout espace de l'église qui s'est réservé à Mounio après veillé et de prière là. Il est capable toujours été pour le printemps et après là, il a toujours été puisqu'il y a bien messe 6 heures tout de suite après veillé. Bonjour tout le monde, moi c'est Junior Darius, je représente Radio Télémon Carmel, Mariaman. Alors, question que moi, Darin m'a posée par rapport à qui dispositif paroisse là mettez en place pour question diffusion, l'autre média qui t'a même diffusé, eh bien, et Neuvenne. Merci. Alors, son belle question, parce que nous connaissons avec médias qui multiplient en pile, et en pile
qu'on toujours manifesté désir pour qu'ils soient capables de couvrir les messieurs. Mais nous connaissons donc célébration comme une précieuse. Qui vient faire que nous pas gagner assez d'espace pour que nous soyons capables d'accueillir toutes les médias honnêtes, pour qu'ils soient capables de prendre des places et des cadres tactiques, pour qu'ils soient capables de couvrir ça, qu'ils puissent couvrir. Hein? Donc l'espace qui est devant, les papes sont capables d'accueillir tout le net. Donc, possibilité que nous avons bail, et ça qu'on nous avons bail possibilité pour que l'autre média soit capable de prendre sur Radio Télé Alta Grâce. C'est là qui n'est pas capable de camper devant. Parce que camper devant, donc ça vient faire un pile. Et, alors il y a une difficulté pour fidèles au Kishita et vivre célébration bien par rapport avec les journalistes ou les techniciens qui sont devant, mais qui marchent, qui font va-et-vient. Là, le vin pas paraître et une célébration qui sacrée chez vous dans sacré. Qui vient faire que trop va-et-vient, qui est trop monté descend. Mais pour nous capable résoudre ça, comme nous tous nous faisons seul le même travail, le travail là c'est pour aider l'autre monde qui parle à yo, vivre une célébration. Yo. Donc comme Radio Télé Alta Grâce nous a mis là, mais tout dans l'église là, donc nous avons une possibilité pour que l'autre média, et pendant nous expérimenter ça, et ça passait très bien, côté que l'autre média, le premier sur Radio Télé Alta Grâce et puis au bail et mes là normalement. Donc il y a une possibilité ça pour que l'autre média soit capable de bail, mais messieurs, mais bail différentes célébrations que nous avons. Bien, merci Père Anaël. Donc nous t'a aimé pour tout média yo diffuser neuvaine et fête Notre-Dame d'Altagrâce. Nous t'a aimé ça, mais nous demandons ça. C'est vrai, capacité d'accueil là, li pas grande, Jean-Père Anaël li dit là, mais heureusement, gagne Radio Télé Altagrâce sur YouTube, Facebook et nous capable média qui pas capable faire déplacement. Qui n'est pas capable sur place, nous sommes capables de brancher à travers Radio Télé Alta Grâce, nous prenons le venant et puis nous retransmettre. Donc nous baillons toutes les médias possibilité pour faire ça. Merci. Voilà, et c'est pas gagné en dernière question. Ok, on prend deux dernières questions pour nous finir, puisque l'heure a déjà fait nous la guerre. Bonjour, moi c'est Demosthène Nisli, je travaille pour Radio Nationale. Question maintenant, c'est concernant le 12 janvier. Chaque année, moi, ouais, nous toujours faisons une belle messe dans l'occasion pour commémorer date ça. Moi, je me connais, est-ce que l'année ça n'a fait? Parce que c'est très important, nous toujours faisons une retransmission, moi, nous toujours très satisfait de lui, mais par contre, il y a une possibilité. Allez, ça. Janvier, c'est une date que nous-mêmes, peuple haïtien, nous pas capable d'oublier. Nous connaissons ce qui est passé 12 janvier. Et jour ça, c'est gagné des milliers de chrétiens, de fidèles, de pèlerins qui étaient l'église là, qui tapent la prière. Jour 12 janvier 2010 là. Nous pas capable d'oublier date ça. C'est pour dire ça chaque année dans occasion ça nous fait mémoire, nous célébrer messieurs en mémoire de tout monde qui était victime dans tremblement de terre 12 janvier 2010. Année ça encore nous a fait n'a prend un temps de silence en mémoire, n'a la prière pour yo pour nous offrir nan yo. Bye, bon Dieu. La toute dernière question après les rapides. Et bonjour tout le monde, moi-même c'est Justin Vintetmon pour la plateforme et Alter Press et Alter Radio. Question maintenant, la fait est en suite logique par rapport à l'intervention sur et question insécurité hein, et deux premiers confrères tout te posé question et me pensais qu'à parler dans ce sens-là. Alors, nous sommes capables de suivre et une crise, nous sommes capables de dire après 86, une crise sécuritaire, sociale, économique, qui a plongé le pays. Et de jour en jour, il y a plus la prière, il y a plus de jeunes, il y a plus de veines et qu'a fait pour bon Dieu capable d'aider le pays à changer, pour diriger capable de changer. Donc, question maintenant, il fait suite par rapport à monde qui toujours critiquer prière et l'église qui dit que problème dans son problème politique, son question de conscience, son question de
assumer responsabilité comme autorité. Alors qui ça va carré qu'on a moins ça parce que si vous regardez sur les faits qui fait que plus il y a prié, plus il y a insécurité, plus il y a zone bandit à attaquer, plus il y a crise économique toujours. Merci. D'accord, merci. Avec question 1. Alors, on va rappeler nous que la réalité de l'église est basée sur deux points. C'est ora et labora. L'église n'a pas jamais dit nous pour nous la prière seulement. Il a toujours invité nous à prier et travailler. L'impact de travail, là, qui ça nous le dit, c'est Jean qui a dit tout à l'heure, c'est mettre chaque monde prend responsabilité. Yo. Nous conscients de crise pays à traverser sur tout point. Sur le plan sécurité, social, politique. Donc nous connaissons, nous conscients, donc nous sommes haïtiens. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas la prière pour ça? C'est vrai, on a toujours dit, en pile, on n'a pas la prière, tout en monde qui est jeune, tout en monde qui a l'église, qui a la messe, qui a le service, etc. Oui, nous-mêmes, nous encourageons les responsables pour prendre la responsabilité. Nous encourageons les chrétiens, parce que les chrétiens, ils sont citoyens. Ils ne sont pas seulement chrétiens, ils sont citoyens. Donc nous encourageons pour chrétiens prendre responsabilité ou comme citoyen. Nous montrons pour être capable de travailler, jouer un rôle, jouer partition. Mais tout, ce n'est pas une raison pour ne pas la prier. Et nous connaissons que dans tout pays d'Haïti, c'est un, la prière, et deux, donc ce n'est pas seulement la prière, mais deux, pour chaque grand monde, prendre responsabilité comme chrétien, comme citoyen. Et de ça, nous allons voir les deux ensemble, aura et labora, donc travailler et prier, mais mettre ensemble, il y a un pile changement qui a fait. Voilà. Merci. Ok. Merci et Père Anaël pour précision ça. Encore une fois, nous voulons dire nous merci. Nous sommes contents d'accueillir nous. Nous sommes contents ensemble avec nous pour nous capables. Par les noms de neuvaine et fête Notre-Dame d'Altagrâce, yon ti rappel, rendez-vous en 12 au 21. 12 au 21, c'est rendez-vous à ne pas rater. Son grand événement, yon événement la foi, yon événement spirituel, en pile grâce pral tomber. Nous invitons le peuple bon Dieu pour venir accueillir, pour venir recevoir la grâce. Chaque jour, pendant le vénant, a gagné 4 messes, 4 célébrations, à 6h, à 8h30, et à midi et à 4h. Et Jean-Pierre Anaël te dit dans l'intervention, avant chaque messe, on a gagné un temps de prière. Et le jour de la fête, le 21 janvier, on a gagné messe à 6h, on a gagné messe à 9h, à 12h30, rassemblement et Delma 19 en face. On a rassemblé et puis pour nous capables de monter sur route d'Elma en procession. C'est la grande procession à Notre-Dame d'Altagrâce. Et procession 1, elle a fini devant l'église, elle a clôturé avec une messe d'action de grâce. Merci en pile, thème de vénement. Avec ma Marie, m'a déclaré, remet bon Dieu, a duré pour tout temps. Ou des pour de voir. Pour déclarer, Rémé bon Dieu a duré pour tout temps. Côté que vous y êtes, pendant qu'on va vivre dans Rémé. Ou bien pour deux fois, pour déclarer, Rémé bon Dieu a duré pour tout temps. Rémé bon Dieu, pas jamais fini. Pour Haïti, pendant que vous travaillez, pour Haïti, capable de changer pour nous capables de gagner dans l'autre pays. Encore une fois, merci et bonne neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame d'Altagrâce. Voilà, merci à nous chaque, merci à nous tous qui étaient présents pour la conférence de presse. Ça m'a rappelé nous encore une fois, de gauche à droite, c'était Dr. Gérard Joseph, coordonnateur comité pastoral, paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, qui travaille de concert avec clergé paroissial là, qui a présidé par Père Francky Désir, qui s'est curé paroisse Notre-Dame d'Altagrâce et vicaire général à Chidiocèse Port-au-Prince. Ça que nous pas oublié, Père Jean-Anaël Bonhomme, directeur de l'école Notre-Dame d'Altagrâce, directeur de la radio et télé Altagrâce et vicaire paroisse Notre-Dame d'Altagrâce. Nous remercions nous tous parce que nous t'ai fait déplacement, c'est là pour nous venir assister, belle conférence ça. Et dans notre toute équipe là, Neuvenna a manqué un point important si vous-même ou pas mettez touche par là la donne. Nous comptons sur vous,
nous espérons que vous mettez avec nous pour message d'arrivée plus loin. Merci.